À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Tu es quelqu'un, tu es béni. Jésus libre, oh,
Oh,
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu as quelqu'un, tu es béni. Qui croit à la puissance de Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à la puissance de la résurrection de Jésus? Amen. Dis à quelqu'un, pas toi ta délivrance. Dis à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as quelqu'un en toi, ta délivrance. Amen. Nous prenons la parole de Dieu. Dans Luc 10, verset 19. Allons-y. Luc 10, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Sens de Dieu. Non, rien. Amen. Amen. Ayez foi à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le diable il n'est rien face à la puissance du Saint-Esprit. Il n'est rien face à la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Et ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Le diable n'est rien face à la puissance de Dieu. Pour que toi tu sois dans le Seigneur, il te donne la victoire sur les œuvres du diable. Alléluia. Le seul problème, c'est que le diable a toute raison d'avoir accès à ta vie. Parce qu'il n'est pas inquiété, il ne voit pas quelqu'un qui l'inquiète. C'est ça, il n'y a personne qui l'inquiète dans ta vie. Je dois se plaindre parce que je suis attaqué par la sorcière. Normal que vous soyez attaqué par les sorciers. Ils sont là pour attaquer. Ils jouent pleinement leur ministère, c'est leur rôle de vous attaquer. C'est leur rôle de vous manger. Parce que quand vous lisez un peu l'Apocalypse, on dit malheur à la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il joue pleinement son rôle du diable. Amen. La seule chose qui inquiète le diable, c'est la présence de Dieu, de notre Dieu Jésus-Christ dans votre vie. Amen. C'est la seule chose. C'est pour ça que les possédés ont regardé les gens qui les délivraient dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous connaissons Paul, et nous connaissons Jésus. Qui vous êtes vous? Qui vous êtes? Amen. Amen. Nous ne sommes rien face à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand on dit, ah, le prophète est fort, je ne suis pas fort. C'est la grâce de Dieu. Ça dit, la grâce, c'est quoi? C'est un don immérité, on ne mérite pas ça. Mais Dieu nous fait grâce. Oui, il nous fait grâce d'affronter les sorciers. C'est une grâce de Dieu. D'affronter les sorciers. Les sorciers, ce n'est pas d'amusement. Je sais le combat que je lis contre les sorciers, ce n'est pas d'amusement. Ce n'est pas qui veut venir sur ce territoire. Tu n'es pas appelé, il faut arrêter. Sur le sorcier, tu es tué. Il y a des gens qui ont voulu jouer ça, les sorciers les ont tués. Mais c'est la grâce de Dieu. J'ai dit aux gens, je n'imite pas les gens, mais Dieu m'a appelé. J'ai vu Jésus qui m'a appelé. C'est pour ça que j'ai fait ce travail. Je ne suis pas venu. Moi, j'ai un métier. Je ne suis pas venu comme ça dans ce travail. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Il m'a dit c'est moi qui t'ai choisi. Va faire ce travail. Amen. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. J'ai écouté le sorcier parler. J'ai mangé quoi? J'ai mangé la tête. J'ai mangé les tripes. J'ai mangé les tripes. Et puis. Sauce pour là. Ils ont fini, ils ont bien sauce pour là. Je l'ai trouvé la faisable demain. Des petites feuilles, des façons bizarres, bouillantes. Nous, on mange avec la calice, les sorciers sont trop rapides dedans. C'est pas facile ce travail. Écoutez les sorciers, c'est stressant. Mais je suis appelé à ça. C'est ça, il dit aux gens, chacun sa spécialité. Ne venez pas dans la spécialité des gens. Or, si vous ne tombez pas sur le spécialiste, vous allez vous tourner en rond, vos problèmes demeurent. Quand vous rentrez au CHU de Yopougo, au CHU de Cocody, ils vont vous demander, après les analyses, c'est pas qui veut délivrer les sorciers. Les gens sont des généralistes. Ils vont venir, ils vont s'en faire semblant, c'est les généralistes. C'est pour ça que quand tu as un problème de sorcellerie, il faut aller rencontrer un spécialiste. Quand vous rentrez à l'hôpital, vous rencontrez un généraliste, il vous dit, ok, moi je suis généraliste, mais je vais te recommander un spécialiste. Va chez le dentiste. Parce que tu as un problème de dents.
Maintenant, va voir le gynécologue. Parce que tu as un problème de ventre, ton problème de femme, là, c'est le gynécologue qui peut régler ça. Amen. Toi, on doit t'opérer parce que tu es pénicile. Va voir le chirurgien. C'est comme ça. Même la science. Il y a des gens qui se laissent la spécialité. Or, Dieu, la Bible dit que quand vous lisez un peu dans le livre de Corinthiens, amen, la Bible dit qu'il y a diversité de dons. Chaque homme de Dieu a son don. Moi, tu n'as qu'un sorcier, le plus redoutable, la planète Terre. Tu n'as qu'à manger avec Satan. Vous prenez petit déjeuner avec Satan. Midi, vous mangez ensemble. Le soir, vous mangez ensemble. Tu me rends compte, je te chasse. Au nom de Jésus. Il n'y a pas un démon. C'est ma spécialité. Je me réveille un matin, comment attaquer sorcier? Voilà. Les gens disent, mais pourquoi toi, ces sorciers sûrement t'attaquent? Je dis, mais ça vous dérange? À quoi ça vous dérange? Pourquoi ça te dérange? Et ce sorcier n'est pas fait pour t'attaquer. Et il mange chaque jour. Vous allez voir, le sorcier fait gêne. Le sorcier ne fait pas gêne, sinon on fait gêne. Vous allez voir, le sorcier fait carême. Ils n'ont pas le temps de carême. Et ils mangent chaque jour que Dieu fait. Ils enterrent des familles chaque jour que Dieu fait. Ils détruisent les vies des gens chaque jour que Dieu fait. Des catastrophes. Le diable détruit. Il enterre des familles, tout ça. Carnage partout. Des provoques, des accidents. Ils voulaient qu'on les laisse tranquilles. Là où ils ne sont pas inquiétés, ils règnent. Vous savez, dans les églises, quand vous êtes dans une église, quand vous, on ne parle pas des démons. Quand vous attaquez des démons, on dit non, ici c'est sérieux, sortez de l'église. Le pasteur même est sorcier. Amen. C'est dans quelle église on va chasser des démons? Les gens qui viennent dans l'église sont possédés. Et une église qui ne peut pas te délivrer, il faut dégager. On vient quand on a les problèmes et puis l'église nous délivre. L'église va venir, nous on fait écouter la parole de Dieu. Si tu la vois, Jésus dit délivrez-les. Délivre à mon nom, vous chasserez les démons. Demain, ça sera mon message. Comment reconnaître une église, l'église? Amen. Une véritable église de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Amen. Voilà, c'est pas qui veut. Oh, il y a des gens qui vont parler, je vais vous donner les révélations, ils vont jamais attaquer la société. Parce qu'ils savent qu'ils traversent Satan. Quand tu traverses Satan, tu n'attaques pas Satan. Mais si tu la traverses, tu dis, c'est pas, on travaille ensemble, on est camarades. Il faut arrêter de venir sur mon territoire. On est tous ensemble. Révélation, la marabout donne. Révélation. Marabout a fini ça. Moi, j'avais vu que mon père, quelqu'un qui envoyait les grands féticheurs, mais il faisait sortir des révélations pas pour des marabouts. Ils ont fini les révélations. Mais il ne peut pas vous délivrer. Et on te dit, j'ai vu, hein. Il ne peut pas. Le gars t'a déjà pris. Oh, il y a des gens qui peuvent donner des révélations, ils ne peuvent pas vous délivrer. Il ne suffit pas de donner la révélation, il suffit de délivrer les gens. C'est pour ça que les gens tournent en rond. Amen. Amen. Quand vous rencontrez un homme ou un de Dieu, c'est comme une clé. Il dit, je vous ai donné la clé du royaume. C'est comme une clé. Il doit être en mesure d'ouvrir les portes de ta vie. Amen. Voilà. On ne veut pas l'église pour chauffer, s'asseoir. On vient à l'église pour que Dieu vous délivre. Amen. Pas venir m'asseoir pour chanter. Gloire à Dieu, amen. Ça ne m'intéresse pas ça. Qu'est-ce que Dieu fait à l'église? C'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Et j'ai des fardeaux. Je souffre. Je viens à l'église pour que Dieu me décharge. Alors si je fréquente l'église 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne vois rien, mais je m'assois. Amen. Amen. Mais je cherche la présence de Dieu. Je ne cherche pas l'homme. Je cherche là où Dieu réside. Amen. Où Dieu peut faire quelque chose. Amen. C'est pour ça qu'ici, c'est un sang de miracles. Amen. Ah, vous suivez les miracles. Amen. J'ai Jésus qui. Le problème que j'ai là, c'est le miracle qui peut décanter ça. Amen. On te dit que tu as une insuffisance rénale. Médecine dit, ne peut pas. Ce n'est pas un miracle. Vous voulez quand vous dites, pourquoi on ne voit pas sur les miracles? Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Pourquoi on ne suit pas les miracles? Quand on a commencé, on dit, non, ils vont dire, c'est la magie. Pourquoi vous pensez que quand quelqu'un est puissant, c'est Satan? C'est ce qu'il dit aux gens, mais pourquoi vous attribuez toujours, c'est Satan qui est fort, c'est Satan? Alors ça dit, vous pouvez pas, Dieu ne peut pas vous utiliser puissamment. Oh, Jésus dit, tous ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres, ils en feront de plus grands. Amen. Amen. Priez pas pour les gens. Quand on a Jésus, on doit imiter Christ. C'est que l'apôtre Paul, son ministère était caractérisé par les miracles que le suivait. Son nom guérissait les malades. L'apôtre Pierre, sa sueur guérissait les malades. Pourquoi vous ne voulez pas construire les miracles?
Quand quelqu'un, Dieu commence à utiliser quelqu'un, on voit, ah non, il fait fétiche. Donc ce fétiche, il est plus fort que Dieu. Ah non, ça c'est... Qu'est-ce qui prouve que c'est du fétiche? J'ai dit aux gens, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, fermez vos bouches. Moi, ils m'ont traité de tous les sorciers, mais je vous avance. Et nous, vous avez vu, non, Satan, lui, il est là, Satan, il organise quelque chose, il vient, il gâte. Il organise, il vient, il gâte. Vous êtes malade ou bien? Satan est plus intelligent que vous. Satan n'a pas mis une organisation en place, lui, il m'a dit, gâtez ça. Il est plus intelligent que vous. Satan, vous voyez, il est très intelligent. On appelle le malin. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que toi. C'est pour ça qu'il dégaine facilement. Il est très malin. Il peut avoir mis une organisation en place pour venir détruire. J'étais en train de dire au pasteur, ils m'ont dit, ah, toi-même, quand tu vois la télé, c'est sorcier. Quand tu vois là-bas, c'est sorcier. Tu n'es pas que des sorciers. J'aurais dit, mais prenez le temps d'écouter tous vos fidèles. Vous allez voir qu'eux tous, 699 auprès de sorcier. Quelqu'un est attaché dans A. Il marche en des cabris dans la rue. Mais, quoi tu viens? Mais, on l'attache comme cabri. Les gens sont comme des moutons. Voiture, fille, 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 fille. Souvent, j'ai dit au chauffeur, il dit, lui, là, pardon. Je m'ai attaché au village. Il faut garer, j'allais le toucher. Pour pas donner problème. Mais il y a des gens qui ne comportent pas les cabris. Tu le vois, tu sais qu'il est attaché. Si la voiture, tu vois, lui, il s'en fout. Il est en voiture. Il mettra une churro sur toi, tu comptes. C'est vrai qu'il est attaché. La âme. Les sorciers attachent les mini-enfants, attachent les papas. Les sorciers attachent leurs parents. Vous ne voulez pas qu'on attache aux sorciers. Je lui ai dit, mais vous voulez qu'il n'y ait pas de quoi? Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Alors, je suis qu'on se parlait de délivrer les gens. Amen. Est-ce que vous avez saisi? L'onction qu'on reçoit là, c'est pour délivrer les gens. Je ne sais pas pour s'amuser ça. Vous avez resté quelle onction? Brécher, brécher, les gens sont possédés. Quelqu'un qui est possédé, il faut laisser la prédiction, il faut laisser Val, il faut laisser son sorcellerie. Il n'est pas délivré. Un démon en lui. Quand tu as menti, dès qu'il sort, il retourne la prostitution. Parce que le démon a pris son corps. Ils sont possédés. Il va pour pleurer. Seigneur, viens laisser. Viens laisser. Le démon dit, ok, hey, allons-y. Mon gars, allons-y. Allons dans le belet. Cherche les petits coins ici. Belletise. J'ai posé aux enfants de la dernière fois, pour quand. J'ai dit, mais vous cherchez la joie, non? Le Saint-Esprit donne ça. Vous prenez pas les drogues. Oui, non, il y a la pêche, je suis content. Le Saint-Esprit donne ça. C'est vous cherchez dans la drogue, là. Le Saint-Esprit donne ça. Je sais quoi. Belet. C'est pour voir si nous le voit demain. Il y a des petits points de belin partout. Vous cachez par les bois, coutoukou. En tout cas, on a besoin d'Akpéchi. Ils ont les petits noms Akpéchi. Quelque chose qui est sente, il n'y a pas de limite degré. Ça te brûle en alcool. Vous buvez ça. Le Saint est quelqu'un qui est possédé. Vous allez pouvoir parler, il va retourner. Or, les sorciers peuvent donner ça à quelqu'un. L'esprit du grognerie peut te donner ça. Il peut donner l'esprit de vol. Non, c'est qu'ils sont pris pour moi. Non, c'est pas que c'est qu'ils sont pris pour toi. Est-ce que tu es délivré? Est-ce que celui qui a pris pour toi, là, il te délivre de une situation? Est-ce qu'il a reçu l'ordre de délivrer? Jésus a bien dit dans le temple, dans la synagogue, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point, il m'a choisi pour libérer les captifs. Pas tout le monde Dieu choisit pour libérer les captifs. Je suis désolé. Amen. Les craintes de délivrance, ce n'est pas tout le monde. Ils seront limités. Ce n'est pas à tout le monde que les démons obéissent. Les démons, ouais, ce n'est pas à tout le monde obéissent. Amen. Amen. Ils savent qui est qui. Les démons, ils voient clair, plus clair que toi. Ils savent que lui, là, il s'appelle comme ça. Ils savent que lui, là, il s'appelle comme ça. Ils savent que lui, là, il peut me délivrer. Ils savent que lui, là, il peut pas me délivrer. Mais l'église doit délivrer les gens. Quand vous venez à l'église, vous devez être délivré. Les sorciers doivent être inquiétés. Ah, vous avez compris le témoignage de la dame. Elle dit qu'on a fini le bain de lit, qu'elle est partie,
ça arrive, ça craque, ça craque, maladie, la malade, je ne te touche plus. Pourquoi je ne vois plus. Elle ne voit plus son cabri. Son cabri a disparu. Comme le témoignage de la femme bourreau là. Elle a attaché le cabri, puis il a fui, le cabri a fui. Elle tient le cabri est parti, il a fui, mais le cabri a disparu. Elle dit, bon, ok, ce que j'ai fait, j'allais prendre son fils. Elle envoie le petit, sur le petit allait gérer le dossier de son bois, qui a pris son bois pour le ramener. Elle dit, ah oui, mais oui, le cabri est revenu, pour qu'on le mange. Puis c'est comme ça qu'on l'a délivré. Oui, dans une église, les sorciers chient chez vous. Diarrhée, les sorciers chez vous. Vous partez partout, vous sentez les gens vous rejettent. Vous ne comprenez pas. Tu es une belle femme. On ne veut même pas te sentir, tu parles même. Les gens ne peuvent plus t'écouter. On ne peut même pas même. Personne. Tu me demandes dans la rue, tu veux qu'on t'appelle. Personne. Les femmes me provoquent. Hein. Souvent, elles marchent. Et puis, les gars, zéro, fouille. Je n'ai dit fouille, il n'y a rien. Sorcier, t'as bouclé, qui te voit? Qui te voit? Où est-ce que c'est sorcier? Sorcier va te bouclé, qui te regarde? Tu fais un effort, je vois, tu jettes pièce pour mal. Qui va te regarder? Quand tu retournes à la maison, tu pleures seul dans la maison. Amen. Seigneur. Seigneur. Il fait quoi? Tu t'as fait quoi? Les sorciers existent. Amen. Amen. Ça ne va plus là. Faut te faire délivrer. Amen. C'est ce que j'ai dit ce soir. Ça ne va plus. Ok, il faut te faire délivrer. Amen. Un certain âge où tu ne peux plus être chez vous, dans la famille, chez vos parents. Un certain âge où tu devais quitter la famille. Amen. Quand tu vois que tu es encore là, c'est un problème. L'homme quittera son père et sa mère. Les blancs ont compris ça. Quand ils ont fini la chasse aux sorcières, combattre la sorcellerie, c'est un âge 18 ans. Quitte. Ils sont prospères. Toi, tu es vieux, tu es chez toi, tu fais enfant, tu es parent, petit enfant la mange. Je vais vous expliquer le système des petits djoulas. Moi, je suis un petit djoula, un peu dedans. Enfin, c'est un de mon sang, petit djoula. Et c'est vrai que les petits djoulas, les djoulas, vous voyez là. Pourquoi les gens vont aller chez les garagistes, ils sont intelligents. Les djoulas, vous voyez là. Tant que tu n'as pas doté une fille, si tu as fait un enfant bâtard, il n'est pas de la famille. Ouais, on ne parlait plus, mais regardez. Oui, parce qu'on reconnaît le père. Il y a des gens, les femmes ici, pour reconnaître papa, il faut 10 ans. C'est la femme, c'est pour qui? 10 ans. Mon chien dans les cartons dit, ah, c'est le papa qui est là-bas. Mais maintenant, il dit oui. 10 ans pour reconnaître le père. On ne fait enfant. On ne fait pas enfant comme ça. Tu as fait un enfant, personne ne le reconnaît. Son père, qui vient une grossesse, on ne sait pas quel l'auteur. Il pense qu'il vous est béni comme ça. Petit Doula, il va faire Garbadrome, ça marche. Il est apprenti, ça marche. Vous pensez quoi? Il est charbonné, ça marche. Vous pensez quoi? C'est fétiche. C'est pas fétiche. On reconnaît son père. Il y a une bénédiction, petit Doula. C'est pas cher. Mais il faut en faire d'autres. Il a eu la bénédiction. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Donc il est béni. Tout ce qu'il touche est béni. Mais toi-même, là, pour reconnaître ton papa, là, il a fallu peut-être 15 ans. Et j'exclus les enfants bâtards. Excusez-moi pour les enfants bâtards comme ça. Là. Ils sont les gens qui compliquent les choses. Quand ils sont dans une famille, remarquez bien, c'est les plus bizarres. C'est les enfants à problème. Et remarquez très bien, c'est les enfants à problème dans la famille. Parce que dans le but. Il y a eu déjà un problème avec la grossesse. Les gens ont parlé. Donc, quand ils naissent, là, toute la sorcellerie de la famille, ça dépose sur eux. C'est pour cela qu'il faut que Dieu te donne un homme ou une femme. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Quand je regarde les gens qui disent j'ai un enfant, vous savez ce qu'ils appellent là? J'ai un enfant. Vous savez ce qu'ils disent là? C'est qui si j'ai vieilli? Un enfant. C'est une bénédiction. Pour l'engendrer, c'est quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Papa doit savoir que l'enfant, voilà. On doit vous bénir. Il faut partir maintenant, vous multiplier là-bas. C'est la loi biblique.
Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un vient, il faut lui dire, ah, il faut me marier, il faut venir me marier. Faut pas dire non, mais comme j'ai vieilli tôt là, bon, et qui est sûr, assez débrouillé. J'ai rencontré une fille au Maroc, elle dit, c'est accident. Je lui ai dit, mais elle est partie en Europe. Elle est arrivée au Maroc, elle a déjà enfant. Dis, mais qui m'a dit? Toi-même, la dernière charge. Tu as maintenant un mère. J'ai dit, mais est-ce que tu j'ai dit, non, je voulais, comme mes enfants, comme les, j'ai dit, mais toi, tu as un problème avec toi-même. Tu nous conseilles souvent la sagesse. Il faut être quand même intelligent. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, Dieu te bénit. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est important. Toi, l'ambition, tu as un bébé de 1 an. Qui va débrancher lui? Bébé. On a beau négocier avec lui, bon, tu sais, la Côte d'Ivoire, là, c'est bien, il n'y a plus de guerre, on mange nos gabas. Elle ne vient pas. Quelqu'un va continuer. Quelqu'un ne vient pas en Côte d'Ivoire, continue. On a beau parler avec lui, et c'est là. C'est fini, peut-être qu'elle en coûte, on ne peut pas les abattre. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à la bénédiction. Dis amen. Amen. Ça, c'est important. Dans la vie, c'est ça, il faut combattre. Si tu vois que ça ne va pas, ça ne soit pas. On cherche délivrance. Amen. Or, quand on parle de délivrance, ça veut dire qu'on te délivre d'une situation. Tu es attaché. Tu es attaché. Tu ne peux pas te mouvoir. Tout ce qui est mariage ne arrive pas. L'argent ne vient pas. Or, quand on n'a pas l'argent, on est l'homme le plus possédé. L'argent, vous voyez là, quand ça n'est pas là, tu vas prier quand, Seigneur, Seigneur, quand c'est pas là, les seuls qui suivent, les mauvais esprits viennent déjà dans ta pensée. Ah, vous savez ce que je dis, c'est vrai. Amen. Amen. J'ai dit au Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, mais donne-moi l'argent aussi. Donne-moi. Bah, l'argent, c'est le pouvoir. Il y a ce que le Saint-Esprit fait, et qu'est-ce que l'argent fait? Je n'ai jamais dit à Dieu, donne-moi un peu. Non, il dit, donne-moi l'argent. Je vais te donner un peu, pourquoi? L'or et l'argent appartient à Dieu. Il dit, donne-moi un peu, c'est moi, c'est mon héritage. Le jour où l'argent vous manque,